Le français, c'est facile, discovery growth. Les nombres singuliers au pluriel, seul au plusieurs. Pour former le pluriel, on ajoute un s, les mots se terminant par un x, un z, un s, s'écrivent de la même manière au pluriel. Autre règle du pluriel, ou, exception, bijoux, cailloux, chou, genou, hibou, joujou, pou, prennent un X, O, exception, bleu, ému, landau, pneu, sarreau, prennent un S, O, exception, bal, carnaval, chacal, festival, récital, prennent un S. Elle, exception, veille, querelle, email, travail, soupirail, vitrail, prennent O. Les pluriels suivants sont un cheval, les chevaux, des crayons, les crayons, les bouts, les hiboux, les camions, la souris, des souris, un chevaux, les chevaux, ses chandelles, pour sa chandelle, l'hiver, des hivers, les panières, mes plantes, ton soulière, l'école, des écoles, un ciseau, les ciseaux, tes yeux, pour ton yeux, ton chandelle, tes chandelles, les cartables, des cartables. Suivant, suivant les sujets. Les sujets dans une phrase, c'est très important, c'est très important. Pour répéter ton sujet, tu peux, pour prouver ton sujet, tu peux te poser la question qui est-ce qui ou qui est-ce qui devant ton ou qu'est-ce qui devant ton verbe conjugué. Encadrer ton sujet de c'est qui ou c'est son qui. Répète les sujets dans les phrases ci-dessous. Souligne l'as. Son dernier film passé au cinéma cette semaine. Toutes les séances de cinéma là-bas commencent à l'heure juste. Le film a débuté à l'instant même. Envoûté par les premières images. Par les premières images du générique, je m'assis assidûment devant l'écran illuminé. Ces films magnifiques me laissent avec l'impression d'avoir vécu un vrai moment de bonheur. Lorsqu'il fait noir, tous les films d'épouvante me font peur. Trouve les bons pronoms qui vont dans les espaces et remplace les sujets. Alice et Liam sont des très bons amis. Ils vont à la même école depuis quelques années. La mère de Jeanne est malade. Elle ne pourrait pas la conduire à l'école aujourd'hui. Les parents de mon ami ne parleront pas du tout français quand ils sont arrivés à Montréal. La chaîne de la vie voisine est bien tracée. Il obéit promptement à ses ordres. Suivant, Marie et Isabelle vont au parc. Marie et Isabelle sont meilleures amies. Elles aiment passer du temps ensemble, surtout lorsqu'il fait beau. Aujourd'hui, elles vont au parc. Elles sortent une couverture et s'allongent sous l'herbe. Elles sortent d'une couverture et s'allongent sous l'herbe. Elles regardent les nuages passer dans le ciel et essaient de deviner leur forme. Marie et Isabelle rient et s'amusent ensemble.
Puis, elle décide de jouer à Marelle. Isabelle dessine la case sur le sol avec un bâton et Marie lance un caillou pour déterminer où sauter. Le temps passe vite, il faut rentrer. Marie et Isabelle marchent vers la maison en s'en tenant la main. Grisette à l'école, je suis déjà réveillée. Je vois le soleil à l'horizon. Ce matin n'est pas comme les autres. Grisette viendra à l'école avec moi. Grisette, c'est ma chatte de 4 ans. Dans ma classe, nous avons la chance de présenter nos petits animaux. Il y a longtemps que je rêve de cette journée. Après tout, Grisette n'est pas un animal ordinaire. Après un accident, le vétérinaire lui a amputé la patte droite arrière. Malgré cela, elle demeure une chatte à jouer. Il est enfin 9 heures. Je peux donc sortir Grisette de sa cage. Silence. Il n'y a plus un seul mot dans la classe. Tous mes amis l'observent. Je leur explique pourquoi Grisette n'a que 3 pattes. Ensuite, je la dépose sous le tapis. Elle se dirige fièrement de l'autre côté de la pièce et s'installe. Elle regarde les élèves et elle ronronne. Pendant la récréation, Grisette et moi visitons la directrice. Je fais ensuite le tour de l'école avec ma chatte et tous les élèves regardent Grisette avec curiosité. Je suis fier de Grisette. À la fin de la journée, la directrice m'invite de nouveau dans son bureau. Plusieurs élèves sont venus la voir durant la journée. Ils lui ont tous fait la même demande. Est-ce que Grisette pourrait revenir à l'école lorsqu'il y aura des occasions spéciales? La directrice me demande alors la permission de nommer Grisette la mascotte de l'école. Depuis, Grisette vient très souvent à l'école avec moi. Elle adore circuler d'une classe à l'autre. Elle est bien chanceuse. Après tout, combien de chattes ont-on d'amis et d'amis? Pour lire les phrases, je suis une fourrette remplie d'érables à sucre. C'est une maison en bois où on fait du sirop d'érable. Je suis un produit fabriqué avec la sève sucrée des érables. 4. Je suis un tube placé sous le tronc pour récolter l'eau d'érable dans la chaudière. 5. Ce sont les arbres dans la forêt qui ont de la sève sucrée. Les enfants aiment en manger sous la neige. Je suis une sorte de véhicule tiré par des chevaux. Je suis un petit endroit qui abrite des animaux. 9. Je suis la saison où on vend la cabane à sucre. 10. Je suis un seau accroché en tronc qui contient l'eau d'érable. Leçon E. Mouton. La loupe. Le cou. Un seau. Une poule. La souris rouge, un toutou. La poule de David est un rousse. Mon ami Billy a une tourante rouge. Les chats de Mira mangent des souris. Sabrina regarde un sou avec une loupe. Oussine colorie les moutons avec son crayon. Ton exercice souligne les voyelles dans les mots suivants et complète les phrases par un mot contenant les sons. Leçon 1. Un mouton, un lion, long, bonbon, pont,
ronds, les ballons, une chanson, le monde, la ronde, les champions, les leçons, les menus et langues à lire, mon père mange des bonbons ronds, les lions et les rois des animaux, mon ami Raymond, un passeur sous le pont, je joue au ballon en chantant des chansons. Leçon 1. Sing les patins, mince les lynch, le prince, je rince. La pince, les matins, pince les matins, en la peine, en sa peine. Je répète, un 5, les patins, mince, les lynch, le prince, je rince, la pince, les matins, en la peine, en sa peine. Sous le pince des martins, il y a un lapin. Ce matin, Antonin a fait son sapin de Noël. Michel aime les petits singes de Colin. Manin dit que Sophie est grande et mince. Hélène rince ses mains et elle la sèche avec un linge. Leçon oua. Oua. Leçon oua. Les froides, one voiture, un doigt, boire, noir, la joie, ou une boîte, les toits. Le roi a une belle voiture noire, je mets des mitaines lorsque j'ai froid au doigt. Je vois un oiseau sous le toit, il y a un mouchoir dans le tiroir de l'armoire, les étoiles brillent dans le ciel ce soir. Leçon 1. Un emprunt, commun, brun, opportune, quelqu'un, chacun, que jeune, aucun. Le poulet que jeune est mon mets préféré. Si chacun fait son effort, nous réussirons. Je crois que quelqu'un a pris mon crayon brun. Le petit hamster brun apparaîtra au moment opportun. Leçon O. Une automobile, chaud, le saumon, la sauce, l'astronaute, à gauche, jaune, les chaudrons, beaucoup, un chapeau, les rideaux, un gâteau, les chemins, beau, les tableaux, un oiseau. Il y a un oiseau sous mon épaule gauche. J'aime beaucoup les gâteaux en forme de chapeau. Il y a des beaux rideau jaune à la fenêtre du bureau. La sauce à spaghetti qui est dans ses chaudrons est très chaude. J'ai reçu un chapeau d'astronaute en cadeau. Le professeur a fait une faute au tableau. Leçon E. Une fée, la tête, la selle, un éléphant, la rêve, la fête, une lèvre. Mon père, l'école, une pensée, la prêtre, la lumière, un vêtement, derrière, être, la pêche. Je suis allé à la pêche au Tédard dans un tang avec mon père. Mon frère a dit une prière avec les prêtres à l'église. Ma mère a consolé le bébé qui a fait un mauvais rêve. À l'école, je regarde les éléphants à la télévision. J'ai observé un lièvre dans la forêt derrière chez moi. Leçon A. Un bain, une reine, la neige, ma peine, beige, freine, je freine, fraise, trace, j'enseigne, une veine, un enseignant, seize, il neige. Madeleine marche dans la neige, la reine porte un grand manteau beige. Aujourd'hui nous sommes le 16 mars et il neige, j'ai de la peine car j'ai perdu mes mitaines rouges. Leçon lait, du lait, il sait, une maison, la paix, je vais, un balai, la mitaine, j'aime, je n'aime pas ces gilets
car je les trouve laids. Ma maison est un vrai palais à la vilaine. Il a fait un gros trou dans sa mitaine. Je suis responsable du lait cette semaine. Oui. Un produit, il essuie la truite, il cuit une suite, puis un buisson, lui sent le puits, ensuite puissant la nuit. Comme dessin, j'ai mangé 8 biscuits et des fruits. Je suis toute seule sous la pluie et je m'ennuie. Marie m'a acheté un nouveau parapluie. Il est minuit, c'est la nuit. La lune et les étoiles luisent dans le ciel. L'essence, un garçon, j'ai reçu les glaçages, les soupçons, une façon agaçante, un aperçu, je suis déçu. J'ai aperçu un garçon qui mangeait un soupçon. Je suis déçu car les cadeaux que j'ai reçus ne me plaisent pas. Il y a une façon agréable de sourire aux gens. Le glaçage du gâteau est très sucré. Les camions, les céleri, une bicyclette, les colis, un genou du café décembre, un garçon grand, mangeur gris, les garages. Tu peux dire une bicyclette, aussi vélo. Dans les grenières de ma grand-mère, il y a un gros coffre rempli de costumes rigolos. Au mois d'octobre, mon oncle Maurice m'a amené à son garage dans son camion rouge. En courant dans la cuisine, je suis tombé et je me suis blessé les côtes et un genou. Leçon gu, une guimauve, les guépardes, la guenille, les gues, une guirlande, une gueule du gu. La guppe a tenté de piquer la grosse guenille. Guylaine a installé la guirlande de Noël avec son frère. Tu dois vite guérir car c'est le retour en classe. J'aime déguster des guimauves que j'ai fait griller sous le feu. Les sonchus, la chine, un chapeau, la chèvre. Dimanche, une pêche, un choix, une cheminée, le chef, la chandelle, les chats. Le chat noir est à gauche du chaudron de la méchante sorcière. J'ai rangé ma chemise en manches courtes dans ma chambre. Il faut choisir le bon chemin pour se rendre au chalet. Quelle chance! Je suis la championne du concours de chant. Les chiens aiment chasser les mouches dans les champs. J'ai été choisie pour faire partie de l'équipe de ballons chaussures. Laissons feu un éléphant, la fraise, les pharmacines et une phoque, le téléphone, l'orthographe, une photographie, l'alphabet et le saxophone. Stéphane regarde la photographie d'un éléphant d'Afrique. Raphaël fait des phrases avec toutes les lettres de l'alphabet. Les phrases éclairées, le phoque assis sur le banquier. Sophie joue très bien du saxophone. Tout téléphone au pharmacien pour lui dire qu'il y a fait une faute d'orthographie. Leçon Z, un oiseau. Lise, j'aiguise, Isabelle, un visage, un bison, je frise, un bison. J'ai aperçu un oiseau qui mangerait un ver de terre. Je suis content car je guise mes patins. Isabelle frise ses chevaux pour la fête. Les visons en
une très belle fourrure. Les sons E, le pneu, le jus, la queue, les yeux, radieux, je veux tout peu le feu. Je dis maman a acheté une robe bleue, n'étire pas la queue de mon chat. Je suis malheureux quand il pleut. Je veux les vieux bouffons à deux cheveux sous la tête. Adieu mon ami, adieu mes amis, la fête est finie. Ah, un policier pleurait, tombèrent les plombières, fêtèrent, aimèrent les panières, présentèrent les jeux, colère, les cahiers, l'escalier. Les vieux poissonniers ont vu un merveilleux poisson nager autour de son voyeur. Les fermières doivent s'élever tôt pour prendre soin des animaux. Je peux aller ramasser des fleurs dans le jardin. Tu dois toujours garder tes cahiers propres. Leçon 1. Une danse, dimanche, la santé, ma tante, la branche, je chante du ruban blanc, une dente, l'enfant, les veines, les lentes, gentille, la pente, une tente, ma pente, ma maman se brosse les dents tous les jours. Tous les amis dansent très bien, les veines ont emporté la tente. Lors de la tempête, mes parents sont venus rencontrer mon enseignante. Sous la branche, il y a un oiseau blanc qui chante. Leçon Gn a un pain, un ding, il se baigne. L'origine, la bonian, une signature, la seconde. Gugner. J'entends Gugner à la porte. Qui est là? Ma mère doit signer sous la lignée de qui j'ai tracé. À la campagne, j'ai observé des champignons et de fleurs. J'ignore qui est la maman de l'agneau. Tout, laissez tout. Je me baigne dans la piscine de mon ami. Les syllabes complexes, br, cr, dr, gr, gr, pr, tr, fr, fra, cri, bra, dro, frou, gris, trou, vri, bra, cro, un fri, un pro, un crocodile, les dragons, une princesse, bravo, la grenouille, un trésor, la chèvre, un fromage, une citrouille, grosse, les bruits, apprendre, la princesse embrasse la grenouille verte au bord de la plage. Les dragons protègent les trésors contre les pirates. J'aime le fromage des chèvres car il est plus crémeux. Bravo, cria le prince. Nous avons relâché les prisonnières. Laissons une chorale, la choriste. Un cœur, Christopher, un thermomètre, un thème, le théâtre, Clotilde. Christopher aime les biscuits que Clotilde a fait. Catherine est choriste pour le spectacle de Noël. J'ai choisi le thème des animaux pour mon projet. Ma mère utilisait le thermomètre pour vérifier ma température. Leçon 1. Les magiciens, les terriens, alien, l'électricien, l'italien, les mécaniciens, les canadiens, les miens, les musiciens, un chien, bien, rien. J'ai des amis canadiens, italiens et indiens. Voici trois matières que je connais bien, électricien, magicien et mécanicien. Les chiens de mon voisin n'est pas comme les miens, c'est un dalmatien. Les habitants de la planète Terre s'appellent les terriens. On dit que
ceux qui vivent sur Mars, se nomment les Martiens. Les mots Ariane et Aliens n'ont qu'une lettre de différence. Laissons les natations, un avion, la coopération, les pions, une solution, la collation, la récréation, une action, la potion, la pollution, la participation, le lion. La sorcière prépare une potion magique pour son lion. Il faut trouver une solution pour arrêter la pollution à la récréation. Je mange ma collation. Dans mon cours de natation, il faut être toujours en action. La participation et la coopération sont importantes à l'école. Leçon 1. Devant un PNB, on trouve les timbres importants, grimper, simple, imprimeur, sympathique, une cymbale pimpante, imbattable, un chimpanzé, un trimballeur limpide. J'ai imprimé des magnifiques timbres d'animaux. Ces grands chimpanzés grimpent facilement aux arbres. Ces sympathiques pêcheurs regardent l'eau limpide. Les musiciennes trimballent toujours ses cymbales avec lui. Leçon 1. Un pompier. Devant un puits en bœuf, on trouve un plutôt qu'un an. Dans leçon 1. Un pompier tombe, sombre, une bombe, tombe, une compote. La trompe, une ombre, se combattre la pompe, un concombre, les combes. Le pompier va combattre le feu. Je fais une soupe à concombre et au combo. Lorsque la nuit tombe, il fait sombre. L'éléphant à la longue trompe se tient à l'ombre. Leçon 1. Septembre, décembre. Un vampire, la campagne, la chambre, novembre, cambriole, la rampe, ensemble, un membre rempli, un larme tamico. En septembre, qu'on a cambriolé ma chambre. En décembre, j'ai reçu un nombre rempli de bonbons. En novembre, j'ai vu un vampire à la champagne. Les membres de mon club travaillent ensemble. Leçon 1. Deux fois, un point, loin, besoin, soin, les coins, un tout moins, les points. Une phrase commence toujours par une masculine et se termine par un point. Leçon moins est le symbole de la soustraction. Je me suis blessé les points sous le coin de la table. En été, j'ai toujours les rhumes de foin. À la récréation, j'ai été témoin d'une bagarre. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Leçon heure, une fleur, un auditeur, l'heure, la couleur, ma soeur, le cœur, un couture, un bienfaiteur. Quel malheur! Un voleur a pris mon balai d'or. J'ai donné des fleurs à mon professeur parce qu'il est le meilleur. Qu'il est l'auteur de ses livres, l'odeur du parfum de ma mère me comble de bonheur. Ma sœur est la meilleure au saut en nature. Leçon E. Un œuf, deux œufs, deux bœufs, un bœuf. Les chevaux, les cochons et les bœufs vivent à la ferme. Les œufs de la poule sont très gros, les bœufs sont les mâles et les vaches sont les femelles. Les œufs, une grenouille, la citrouille, une huile, la rouille, elle bafouille, il se mouille, la quenouille, il se débrouille, des chatouilles. J'ai vu une grenouille verte sauter. Dans des quenouilles, mon frère barbouille sous la citrouille. Je vais manger des nouilles car mon ventre gargouille.
Il y a de la rouille sur cette douille. Tu aimes bien quand ta mère te chatouille. Rappel, la fille, une curule, les yeux, un duel, les cheveux, les curfules, un recul. J'ai vu une chevreuil qui mangeait du cerfeuil. Il y a une chenille sous les feuilles de cet arbre. Elle a écrit un beau poème dans son recueil. J'étais sous le seuil de la porte quand j'ai perçu l'écureuil, un atome, les feuilles changeant de couleur. Le son L, une abeille pareille, les soleils, un tortel, une bouteille, une corneille, l'abeille appareille. Maïdal adore manger les groseilles sous les soleils de la Marseille. Marseille, la vieille dame s'est cognée un orteil sous la corbeille. La corneille voudrait bien attraper l'abeille qui est posée sous cette bouteille. Pendant mon sommeil, j'ai fait des rêves merveilleux, mais mes oreilles sont meilleures que celles de ces vieux hommes. Les sons, elles, je veux une taille, une médaille, une maille, Bayer, du bétail, un chanteur, le travail, le pays. Je fais une maille sous la manche de mon chandail. L'épouvantail devrait éloigner les corneilles. À l'école, j'ai reçu une médaille pour me féliciter de mon bon travail. Elle utilise toujours une paille pour boire son lait. Je porte parfois une ceinture à ma taille. Les sons fil, la file, une jonquille, une famille, la quille, une grille. Je maquille, la bille, elle brille. Ma famille et moi sommes allés dans ces champs de jonquilles. Camille est vraiment une très gentille fille. As-tu vu comme ma brille? Je suis assez doué pour jouer aux quilles. Les grillons et la chenille sont des petits insectes. Les sons E. Un ver de terre, la mer, perd, une merveille, la permission ouverte, un service travers. Ma mère m'a donné la permission de ramasser des vers de terre. Cet été, je suis allé à Cuba et j'ai vu à la mer. Il a ouvert la boîte et il a trouvé une merveilleuse surprise. J'ai rendu service à mon père quand j'ai fait les ménages. Albert est allé à la ferme et il a pris soin des animaux. Les sons et la fillette, la maisonnette, la sourette, les chiens, une salopette, une princesse, je fais l'escalier. La gentille chienne Charlotte monte l'escalier en courant. Cet été, je suis allé dans la maisonnette de la princesse. Il a ouvert la boîte et il a trouvé une salopette bleue. Je suis une fillette serviable car j'ai fait le ménage. Sarah efface l'erreur dans son cahier d'écriture. Leçon un du pain, vein, humain, plein, le frein, tendre, tendre. Julien aime beaucoup prendre un bain plein de mousse. Demain matin, maman ira faire tendre ses chevaux. À la Saint-Valentin, j'irai voir ma tante en train. Maintenant, pour déjeuner, je prends du pain aux raisins. Je vais prendre une image de Blanche-Neige et laisser tenir sous les murs de la chambre de ma fille. Leçon U. Un yo-yo, les noyaux, mon crayon de yogourt, youpi, un yorkshire, le yoga, les yeux. Mon petit frère,
ne sait pas écrire, alors il crayonne sous les feuilles. Le yak est un mammifère qui vit au Tibet et qui ressemble au bœuf. Ma mère a dénouilleté ma pêche avec des méladonnaires. Avant des méladonnaires, ma mère a dénouilleté ma pêche avant des méladonnaires. Les Japonais utilisent les yens comme monnaie. Youpi, j'ai reçu un bébé Yorkshire pour ma fête. Cornet, les cadets, coquettes, les paquets, les sorbets, un filet, les gueules, un guichet. Je dois écrire des guillemets lorsque je cite les paroles d'une personne. Ma mère est allée au guichet automatique pour retirer de l'argent. L'été, ce que je préfère, c'est un bon sorbet au pamplemousse. Pourrais-tu aller porter cet étrange paquet pendant que je fais la guerre? Les gueux, les sandwichs, une grenouille, la citrouille, une œil, la rouille, elle batouille. Il s'émouille, la quenouille, il se débrouille, des chatouilles. J'ai vu une grenouille verte sauter dans les quenouilles. Mon frère batouille sous sa citrouille. Je vais manger des nouilles quand mon ventre gargouille. Il y a de la rose sous cette douille. Tu aimes bien quand ta mère t'échappouille. Suivant, leçon 1, première leçon 1, des lions, les yens, Christophe, les syllabes complexes, inverse. Léo fait du vélo. Léo aime le printemps. Quand il fait beau, il peut sortir son vélo pour rouler dans les rues. Il se sent libre et heureux lorsque le vent souffle dans ses chevaux. Il pédale fort et monte et descend les collines de la ville. Il rencontre souvent des amis qui font la même chose que lui. Il roule ensemble, on s'amuse beaucoup. Léo adore la sensation de la liberté et l'indépendance que lui donne son vélo. Un jour, Léo tombe de son vélo. Il est légèrement blessé. Il est surpris par un abandonnement. Il remonte sur son vélo et continue à pédaler. Léo a appris à être plus prudent. Il peut maintenir maintenant explorer de nouveaux endroits. Les déterminants définis et indéfinis, vous pouvez écrire les bons déterminants et les bons déterminants. Les défis orthographiques.